Alors nous sommes dans le camp des réfugiés à Ngangi, comme vous le voyez derrière moi. C'est un camp qui a vu le jour le 8 novembre 2022 et jour pour jour le camp ne cesse de s'accroître. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui s'augmentent chaque jour. Aujourd'hui nous comptons plus de 4250 ménages déjà dans ce camp et plus de 26 000 personnes, hommes, femmes et enfants, et il y a aussi des vieillards qui sont là. Alors, Vice et Don Bosco, dans leur collaboration, ont essayé de trouver des solutions pour ces réfugiés qui sont là. Il y a les éclairages qui ont été mis pour la sécurité de ces gens dans ces camps. Il y a aussi l'approvisionnement en eau potable qui s'est fait. Alors, pour ces enfants qui sont en train de courir la malnutrition, il y a la distribution de la bouillie qui s'est faite du lundi au vendredi pour ces enfants. Et il y a aussi les soins médicaux qui sont là pour les enfants et les autres femmes qui sont enceintes et celles qui sont allaitantes. Il y a aussi l'hébergement des vieillards qui s'est fait ici à Ngangi toujours pour essayer de venir en aide à se déplacer. Nous avons aussi la distribution qui s'est faite des vivres et des non-vivres. Ça peut être des habits, des bâches pour leurs tentes et aussi de quoi manger qui s'est fait par les deux organisations en collaboration, comme vous les voyez derrière nous. Il y a beaucoup de choses qui se font ici et ils ont encore besoin de beaucoup d'autres choses de la part des volontaires et pour qu'ils bénéficient d'un bon encadrement ici dans ces lieux. Merci.